De CFINTEX, j'espère que vous allez bien, bien écouter. Pour ma part, j'ai vraiment super bien. Comme d'habitude, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, de lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo. Cela me fait vraiment super plaisir. Du coup, comme vous avez vu au titre et miniature de la vidéo, aujourd'hui, on se retrouve sur Fortnite Battle Royale. Comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de mettre le code créateur dans la boutique Fortnite. C'est vraiment très important. C'est pour que le glitch il fonctionne. C'est vraiment l'étape ultime du glitch. Du coup, vous allez rentrer, vous allez accepter mon code créateur dans la boutique Fortnite. Du coup, après, ce que vous allez faire, vous allez simplement aller dans la boutique. Là, vous allez remettre mon code créateur encore une fois. C'est pour que vous allez bien mis. Là, vous allez simplement avoir une petite flèche verte comme moi. Après ça, vous allez simplement rentrer dans le salon des cadeaux. Une fois rentré dans le salon des cadeaux, du coup, ce que vous allez faire, vous allez simplement faire celui-ci. Et là, vous allez simplement ouvrir le plus gros cadeau, ça veut dire le cadeau vert. Du coup, après, là, vous allez simplement secouer. C'est vraiment très important de secouer tous les cadeaux. Du coup, là, tout simplement secouer, là, je le retourne, je le secoue plusieurs fois. C'est vraiment très important de faire cette manipulation-là. Du coup, une fois que j'ai secoué le cadeau vert, je secoue aussi celui-là. Du coup, là, on clique là, après on secoue, c'est vraiment très important de le bouger et de le secouer en même temps. Du coup, une fois ce que vous allez faire, vous allez simplement aller dans la boutique d'objets. Là, vous allez remettre mon code créateur. Après ça, vous allez simplement choisir le mode de jeu. Une fois choisi le mode de jeu, là, vous allez cliquer sur le mode de Battle Royale. Du coup, arrivé dans le salon, ce que vous allez faire, vous allez dans paramètres. Une fois arrivé dans paramètres, là, vous allez simplement recevoir des quêtes d'opinion. Vous allez vous mettre sur oui et son nom. Vous allez rentrer dans la boutique d'objets. Là, vous allez remettre mon code créateur. C'est pour que Glitchy fonctionne super bien. Après ça, vous allez simplement faire un retour. Dans faire un retour, vous allez écrire exactement la même chose que moi dans sujet et dans cœur du message. C'est vraiment très important de faire cela. Du coup, dans sujet, vous allez écrire chest et dans cœur du message, vous allez écrire enclos chest en anglais. Du coup, après ça, vous allez tout simplement aller dans le salon des cadeaux. Une fois, c'est écrit bienvenue. Du coup, après, vous allez simplement ouvrir la chaussette. Normalement, vous devez simplement débloquer des défis. C'est vraiment très important de faire cette manipulation-là. Du coup, là, on ouvre, ça me va. Après là, ce que vous allez faire, vous allez simplement faire sortir. Vous allez dans la boutique d'objets. Là, vous faites choisir le mode de jeu. Et du coup, normalement, quand on va dans le Battle Royale, on va tout simplement débloquer le skin gratuitement. Et voilà les potes, on va tout simplement débloquer le skin Mammouth gratuitement. Dites-moi ce que vous en pensez du glitch dans l'espace commentaire. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo un maximum avec tous vos potes. C'était Fintex, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi tous, ciao, bonne game tout le monde. Allez, bye. Abonne-toi, lâche un like, active la notif, man, active la petite cloche, mets ton plus beau commentaire, yeah, yeah. Abonne-toi, lâche un like, active la notif, man, active la petite cloche, mets ton plus beau commentaire, yeah, yeah. Abonne-toi, lâche un like, active la notif, man, active la petite cloche, mets ton plus beau commentaire.